Organiser une teuf, c'est vraiment quelque chose de flou. C'est jamais la même façon de procéder. À part quelques similitudes, bien sûr. Mais selon chaque endroit, c'est différent. Selon avec quel système on va faire la fête. Même l'altitude et la météo nous demandent un maximum d'adaptation et d'anticipation. Sans parler des risques encourus que tout le monde connaît. Mais est-ce pas ça qui nous motive? Qui nous montre notre efficacité et jusqu'où on est prêt à aller pour réaliser nos rêves? Le principal est que les gens soient en sécurité. Rubalise, tente de prévention, parking sécurisé, et j'en passe. Et aussi qu'une bonne ambiance soit présente. Comme ça, pour accueillir les propriétaires du spot ou les forces de l'ordre, tout en étant prêt à corroborer, vous serez en bonne position et pouvez donc dialoguer et trouver une solution équitable dans le respect de chacun. Le rôle d'organisateur n'est pas celui des boueurs. Ton taf à toi en tant que tapeur de sol expérimenté, c'est simplement d'être responsable de toi et de tes potes, et surtout de tes déchets. C'est avec ces actions qu'on peut changer la vision de la teuf pour beaucoup de personnes désinformées. Vivons libres, respectons-nous, aimons-nous.